Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la démo test de création sur le prochain jeu qui risque de vraiment mettre une grosse tarte à notre petit Sims, parce que oui, Sims, on sait tous, on a déjà tous essayé de s'amuser sur Sims et faire des bonhommes, s'amuser à les brûler, à les faire mourir, à faire des enfants, plein de bébés, des relations, etc., etc. Mais là, on est sur un jeu qui est sur le même concept, mais on va dire vraiment beaucoup plus poussé. Si vous voulez vraiment voir un thriller avec tous les détails, n'hésitez pas, dans la description je vous mettrai un petit lien. Mais là on a accès à la démo, donc la démo est gratuite pour tout le monde. Je sais pas si elle est sur console, mais je sais bien sûr qu'elle est disponible sur Steam. Donc vous allez sur Steam, vous pouvez télécharger la démo, regardez bien sûr si votre PC est capable de le faire de journée. Donc moi j'ai mis des petits graphismes assez hauts et ça va. Donc pour ceux et celles qui ont ma configuration, donc ma configuration est disponible dans la description, sachez que j'enregistre en même temps, donc bien sûr, si vous avez la même config que moi, vous allez pouvoir le faire tourner plus performant que moi, à part si vous streamez ou si vous enregistrez en même temps, parce que moi je suis en train d'enregistrer en 2K, bien évidemment. Donc moi, ma petite composition, hein, je vous la fais passer vite fait. J'ai pas été dans les détails, j'ai juste enlevé la profondeur de champ, le flou de mouvement, le poste de traitement, j'ai laissé, lancer les rayons, machin. J'ai mis en mode cinématique. Donc ça se peut qu'il y ait une fluidité un peu, voilà quoi, mais comme je vous l'ai dit, en bas de la description, il y a le détail de ma config. Donc niveau son, je sais pas s'il y a un truc spécial copyright ou pas, non, je ne pense pas. Champ de vision, pour l'instant, c'est rien, c'est cool. Langue française, activée, fil, ok, nickel, application. On est bien. Donc, c'est très poussé, donc là, je vais quand même prendre mon temps pour essayer de voir tout ce qui est disponible, que ce soit en création pour les hommes ou pour les femmes. On a le temps, on est là pour tout détailler, on est là pour parler du jeu. Donc, n'hésitez pas dans la description si vous voulez des let's play ou des vidéos sur ce jeu, parce que ça va être un jeu qui va être entre parenthèses infini. Peut-être, ce serait cool. Mais voilà, si c'est comme les Sims et si ça marche vraiment bien, il risque d'avoir du lourd dès le début, parce qu'au final, c'est comme si tu avais les Sims. Donc, si tu as des DLC naufragés, etc., etc., ce serait vraiment un truc de dingue. Donc avant toute chose, je ne suis pas payé, j'ai pas reçu de clé, etc., etc. Peut-être, on va peut-être avoir une clé du jeu, on verra bien. Mais comme vous le savez très bien, moi j'aime bien donner mon avis. Ça se peut qu'au final là je dis que c'est bien. À la fin de la vidéo, je me dis c'est complètement claqué au sol. Bah, vu ce que j'ai vu, ça m'étonnerait. Alors, le prénom, on va l'appeler le nom de mon fils. Voilà, Marley. On va l'appeler Dulu. C'est un nom comme ça. Ok. Je pouvais créer une famille? Ah non, je peux pas créer une famille. Et on recréera un personnage niveau fille. Créer un Zoï. Ça s'appelle des Zoï. Attendez, les modifications d'apparence de votre séance de jeu précédent n'ont pas été enregistrées. Ah, c'est parce que j'avais testé avec les graphismes, voir si ça buguait pas. Voulez-vous poursuivre les modifications? Bien sûr. Ok, donc attendez. Déjà, de une, à quoi ressemble Dulu Marley? Créer un personnage pour Dulu Marley. Donc on peut mettre un enfant. J'étais même pas au courant, tiens. On peut créer un gosse. Eh mais c'est magnifique. On est d'accord que graphiquement, attends, on peut détailler. Oh, what? Oh, les détails. Sachez que le jeu est en démo. Donc c'est pas du tout la version finale. Donc c'est choquant, vraiment, c'est choquant. Il y a des petits défauts, hein, on voit au niveau des cheveux et puis quand on tourne et tout, enfin... Ça, c'est pas grave, c'est l'anti-aliasing qui est désactivé parce que ça va faire exploser le PC. Sinon, on a en femme, homme, on a un homme, ado, adulte, mi-vieux, très vieux. Mais regardez-moi ça, ce détail. Oh, c'est un truc de barge. On va créer un ado, bien sûr. Ok, on va créer un ado. Donc, genre homme, femme. Nickel. Profil. Identité sexuelle, développement, genre homme, femme, non binaire. Attiré par un homme, femme, non binaire. Ah, tu peux sélectionner l'attirance? Ok. Aucune modification ne peut être apportée après la création. Ok, ça roule. Donc là, je peux pas sélectionner. Donc là non plus, genre. Ok, c'est écrit non binaire, mais on peut pas. Alors, trait de caractère. C'est quoi ça, trait de caractère? Diplomate, idéal, perfectionniste. Ok, donc attends, je peux créer des... Ça, on le fera après, ça. Attends, spécialiste, charitable, responsable, itinéraire, autoritaire, charismatique. Artiste, individu... On va mettre artiste, tiens. Allez, artiste.
je sais pas si ça a changé quelque chose, mais voilà. Bon, déjà, c'est un homme. Donc, premièrement, on va lui mettre des cheveux. Quand même. Donc, appliquer le visage prédéfini. Non. Il faut que je fasse le visage avant. Ah, waouh, ouais. Attends, on va regarder un petit peu tous les personnages en détail. Eh, mais c'est d'une... C'est d'une précision, c'est incroyable. Encore, tu vois que c'est un jeu vidéo, tu vois, mais... Wouah. Mode édition détaillée, mode édition de base, en bas. Zoé prédéfini, corps, tenue, personnalisation de tenue, accessoires. Studio, c'est quoi ça, studio? Et je peux changer le décor! Bon, on verra... Attends, décor. Donc, avant votre personnage, vous pouvez déjà te créer un studio. Donc, ok. Expression de visage, on peut changer. Il y en a combien? On peut changer. Il y a 11 expressions de visage. Couleur du fond, on va le mettre... vas-y, on va le mettre en orange. Voilà, éclairage. Oh, on peut tout gérer, mais c'est une... C'est un bad. Franchement, c'est... Waouh. C'est vraiment... Attends, ça sert à quoi, ça? Ok, c'est un éclairage blanc. Ok, ça marche. On va laisser par défaut, mais je regarde juste vraiment ce que ça fait. Ok. Franchement, ça, c'est... CTRL Shift U... masqué. Ah ouais. Franchement, les amis, j'en fais pas des tonnes. C'est vous, peut-être que vous avez une petite perte de qualité comparé à moi, mais ah, il y a énormément de prédéfinitions, de personnages prédéfinis. Faudrait que je change d'expression faciale, mon ami. Merde. Excusez-moi. Studio. On va mettre une expression basique quand même. Un vrai sourire, copain. Non, on va mettre la par défaut. Allez, paf. Et là, on a filtre. Eh, quand j'ai pris la grosse tête. What? C'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Capture faciale. Attends, je peux mettre mon visage, vraiment? Appareil mobile doit être connecté en même routeur que l'ordinateur. J'essaye, les amis. J'essaye. Sub, comme par hasard, c'est que pour Apple. Visage, cheveux. Alors, des cheveux. On va essayer d'essayer de me reproduire. En vrai, ce serait cool. Ou pas. On verra bien. Attendez, on va voir ce que ça donne. On a pas mal de cheveux. Ça, c'était la coiffe que je voulais faire, les amis. J'aurais voulu faire ça en vrai. Mais bon, tant pis. Ok, en mode moutmout. On a... Bah, il n'y a que ça comme cheveux. D'accord. Voilà, il est là, Dudu. Donc là, si on appuie sur le tirouage, on a la couleur des cheveux. On va dire que c'est pas non plus trop... D'accord, moi c'est parce que vous me voyez fort noir, mais mes cheveux fort noirs, mais ils sont un peu vers le roux. Non, j'ai pas terminé le zoï. Ok, donc voilà, là c'est cool. On a essayé de faire ça, donc c'est soit on regarde là, mais sinon on peut modifier tous les traits avec la bouche, le nez, les joues, la petite barbe. Ça, j'ai vraiment pas vous mentir, les amis. Moi, ma barbe, elle ressemble vraiment à ça. Voilà. Et ma moustache. Pareil. Moi, il y a que la barbe qui est rousse sur moi, je comprends pas.
Vraiment, enfin rousse, vite fait quoi. Couleur de peau. C'est assez rouge. Ah non, c'est bon. Ah, moi, je suis plus comme ça en vrai. Ouais, exact. Ah non, pas quoi ? On peut même régler les plis des sourcils. Oh, le délire, les pommettes. Oh, le bad. Oh, le délire. Mais attends, mais c'est la fente du menton. La brillance de la peau. Oh, bordel, mec, c'est pas lavé depuis 10 semaines. En fait, si tu veux, tu peux, tu mets toi à fond. Et ton bonhomme, il est méga détaillé en vrai. Et c'est vraiment pas, c'est vraiment pas dégueu. Alors les yeux, qu'est-ce qu'on peut faire? Les yeux, c'est incroyable quand même comment ils sont bien faits. Tac, tac. Les possibilités qu'il y a, c'est dingue, hein? C'est quoi ça des... What? Des galaxies? On peut régler la taille des iris, l'intensité de la couleur, le diamètre de la pupille, tout dilaté. Hey gros! La drogue. Initialiser. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien détaillé. Hein. Vraiment, je vous les fais passer tous. Comme ça, je découvre aussi, comme vous. Donc ça, c'est les yeux naturels. Donc on a les sourcils. Vous en faites pas, s'il y a des choses que j'ai ratées, je vais les voir après. Et... on peut même changer les cils, quoi. Ah, ça, je le faisais tout le temps avant. À l'époque, je faisais tout le temps ça. Et... nickel. Les petits cils. Qu'est-ce que ça change? Voilà. Maquillage. On peut mettre du maquillage. Bon, c'est pas mon délire de mettre du maquillage. Hein. Je me suis jamais maquillé. Je me maquillerai jamais, les amis. Je suis pas dans ce délire. Et allez pas me tiquer. Il a dit que c'était pas dans ce délire. Pourquoi c'est un délire? Vous faites que ce que vous voulez. Embêtez-moi pas, d'accord? Merci beaucoup. On voit déjà les coincés du fiacre là qui vont être en train de dire ah, mais sérieux, il a dit ça. Qu'est-ce que t'as contre ceci, cela? J'ai rien du tout. Faites-moi, je vous fais pas chier. Alors faites-moi pas chier, s'il vous plaît, cordialement. C'est juste pour regarder. Ok, je vous fais ça vite fait. Ok, d'accord. Donc là, niveau maquillage et tout, c'est fait. Donc attendez. Visage prédéfini, peau, les yeux, machin, nickel. Mode édition de base, on est. Et on peut faire mode édition détaillée, qui sont ici. Donc mode édition détaillée. Genre, je prends la lèvre, je fais ça. Mais c'est un truc de barge. Mais c'est... mais c'est ouf. Ouais. Le délire, ma boy. C'est dingue quand même, hein. En fait, tu prends une photo, tu la prends gauche-droite, et ça y est, quoi, c'est finish.
C'est vraiment un truc de dingue. Vraiment, c'est pas dégueu. Tu peux faire un œil comme ça et... Ah non, c'est les deux pareils. Ok, c'est les deux mêmes. Ok. Donc là, on a le petit sourcil qui est là. Ah. Eh, je suis même au champ, moi. Qu'est-ce qu'il croyait? Ok, donc là, on a quoi, là? Ça roule, le nez. On a les oreilles aussi. Et ouais, c'est vraiment au bas, là, par contre. Tu peux pas faire gauche-droite. Là, oui, mais pas tout en haut. J'ai pas compris. Wow! Là, pareil, t'as pas le choix de pas avoir de lobe. Il y a des gens, ils ont des lobes ici. Ils ont des creux, comme moi. En vrai, ça va. Attends, le maquillage, je vais l'enlever. Je vais dire, je suis pas fan du maquillage, donc j'en mets pas. Les yeux. Voilà, vider les yeux, c'est fini. C'est ouf quand même, hein. C'est bien foutu quand même. Hein. Donc du coup, normalement, si je fais ça, là, mettons, et je vais sur petit... Attends, j'ai regardé les vêtements déjà. Mais il y a énormément de choses. Et c'est incroyable. Okay. Regarde un petit peu. Après, la démo, elle est gratuite, hein, allez voir vraiment tout. Donc, ça peut vous intéresser. Apparemment, c'est que de la créa, donc... hein. What? J'ai foutu quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si! Ok. Oh, c'est quoi cette dégaine de ouf? Le bas. Même changer la couleur, c'est vrai. Je cherche la couleur, moi, comme un nul. Alors que... Psss. Ah, je peux même changer les textures et importer. Tu peux même importer des textures, mais où? Pourquoi je reprends... Je fais ça, hop. Et je prends la couleur qui est là. Je peux, normalement, regarder. Regardez, j'ai juste à faire ça. Ça, et je vais sur ma veste. Ah non, la veste, elle a pas de couleur, ok. Autant pour moi. Je sais pas si ça fonctionne quand on fait CTRL-C. CTRL-V, bien sûr. Voilà, mettre un peu plus foncé. Nickel. On peut même changer les chaussettes, donc on s'en fout un peu, on les voit pas. Les chaussures. Les sous-vêtements, ma boy. Non. Comment je fais pour juste retirer? Je fais ça, ça, ça. Et comme ça, je peux toujours retirer ici. Et admettons les sous-vêtements, bah, c'est des sous-vêtements basiques, hein, je pense. Ouais, ouais, c'est des sous-vêtements basiques. Ça marche. Donc, tenue prédéfinie. On a des tenues prédéfinies. Donc, j'ai déjà regardé en étant petit. Oh, c'est stylé de ouf. Elle est trop mignon, la beauté. Eh. En adulte. Ah, il m'a changé mon gène. Oh, non. Le délire, vas-y. Ok, on s'en fout, on change de tenue. Oh yeah.
Ah, les tenues prédéfinies pour les enfants et pour les adultes, c'est pas pareil. La petite tenue de basket. C'est vraiment pas mal. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Ok, et maintenant... Tenue d'ado, s'il vous plaît. La classe! Eh, mais attends, on n'a pas fait un truc. On n'a pas testé le corps, les modifications du corps. Donc, musculature. Ok, le torse. La pilosité du torse. Des bras. La pilosité des jambes. Ok, nickel. Corpulence, c'est... Ouais, y a pas grand chose à... On va dire à... Ah ouais, on peut faire taille fine, on peut changer... en détail, et si... Ouais, non, c'est bon, là, c'est détaillé direct. On peut élargir les bras. Quoi, ça? Les hanches. Les jambes Bruno. Voilà, et on enlève les jambes de coq. Ouais, il est baraqué, mon copain. Il est baraqué, mon copain. Tenue. Baggy man. Franchement, c'est, il est trop bien fait, hein. Après voir une game, qu'est-ce que ça donne? Voleur, détendu. Ouais, bro. I'm living West Coast, New York. Ok, donc il n'y a pas de truc orange du coup. À part ça. Celle-là, je trouve bien stylée en vrai. Personnalise la tenue. Ah, je peux choisir si ça rentre dans le... Ouais, ouais. Les manches, ils sont longues ou pas. Si c'est un col roulé ou pas. Ok, le bad. Et accessoires, maintenant, on peut prendre des casquettes. Tout ce qui est casquette. Je sais pas si genre on peut... la retourner ou pas. Là, il y a des couleurs prédéfinies. C'est des casquettes assez basiques, il y a des bobs. Le bob blanc, il est pas mal. Là, tu peux vraiment détailler le truc. Regardez, il y a trois couleurs. Trois palettes de couleurs. Bah, c'est pas mal en vrai. Des lunettes. Non, je vais mettre le petit bob blanc, il était pas mal. Des lunettes d'eau soleil. Ok, on va mettre 100. C'est toujours bien important de voir ses yeux. Mets des lunettes de soleil quand t'es avec des gens. C'est irrespectueux, je trouve. Voilà, les petites paires de boucles d'oreilles. Ah, mais y a pas de boucles d'oreilles pour hommes. Ah ouais, y'a que ceux-là. Ouais. Les cheveux. Ah, je peux mettre un casque. Bon, ça, c'est mal foutu. Parce que ça écrase pas le... J'aurais dû faire en sorte que ça écrase le bob. Donc, ça va sûrement arriver en... ça va sûrement arriver dans les prochaines mises à jour. À mon avis. Et on peut faire les ongles. Et ouais. Non, merci. Ah, mais j'ai mis la couronne. Ça va les copains. Donc là, accessoires c'est fait, personnalisation c'est fait, tenue c'est fait, corps c'est fait. Le dos, je pourrais le faire. Ah, je peux faire le fessage. Béon, gros fessier. Zone prédéfinie, ok, nickel.
Excellent. On a le mode photo. Pas mal d'images, 16:9. Comme ça. Expression. C'est vrai que c'est marrant quand même. C'est vraiment pas mal en vrai. Il peut même faire des pauses. Oh, stylé. Voilà. Voilà. Il refait là la pause. Et là j'appuie sur photo enregistrer. Je sais pas où ça s'enregistre, mais ce que je vais faire au pire, c'est que je vais faire retour. Voilà, retour, CTRL-U, Shift-U. Et voilà, là on est bien en vrai. Là on est bien pour faire une capture. Shift-U. Après on a tout regardé. Hein. Vie désirée, ça on peut pas encore le mettre. Non plus. Donc là on va regarder la femme. La madame, comment ça se passe. Donc attendez. Bah, c'est pareil en fait. Hein. C'est juste que on peut faire le maquillage et tout. Donc en gros on a même pas besoin de faire une dame. On va pas se mentir. Et du coup on va faire terminer, voir ce que ça fait. Vous voulez voir enregistrer ce Zoï? Ok, terminé. Et je peux ajouter quelqu'un à la famille. Actuellement, vous ne pouvez pas créer, vous pouvez créer qu'un seul Zoï. Donc, créer une famille. Terminé la création. Ok, date de création 2024, tac, tac, tac. Ok, assez compagnie. La création d'un nouveau monde de simulation appelée InZoï est approuvée. On a été confirmé que la famille Zoï suivante doit commencer une nouvelle vie. Confirmé. Hey, cinématique. Attends, quoi? Dawn One. Kaya One. Attends, mais attends, comment on fait? On fait dans trois trucs différents. On a soit ici. Soit ici. Vas-y, je vais prendre ça, moi. Ah non, en développement. Sélectionner cette ville. Sélectionner cette ville. Ok. Donc, soit le centre-ville. Ou soit... Ouais, on va essayer de faire un tour dans la roue. Dommage, miaou. Il est encore peu tôt, générer une Zoï, miaou, si tu te concentres plutôt sur la création de Zoï pour commencer. Ah, dur. Ah, je suis deg, je suis déjà peut-être, mais non, pas du tout. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez vraiment qu'on fasse une petite aventure sur ce jeu, parce que franchement, j'aimerais vraiment, 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 parce que j'étais un grand fan de Sims à l'époque, quand j'étais au lycée, donc j'avais... quand j'étais au collège, pardon. Première année de collège, donc j'avais ouais 10-11 ans. J'en ai 31, donc il y a 20 ans. Je jouais à Sims 2, Sims Naufragé, Sims Herbs, etc., etc. Sims 2 sur DS, c'est celui que j'ai le plus kiffé. Et franchement, moi qui voulais vous proposer du Sims sur la chaîne, on est là sur du Mechi Gaming, on fait de toutes sortes de jeux, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, mettre le petit like très important. Donc, on se retrouve prochainement pour peut-être la suite de InZoï. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça donne la force dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux. On se retrouve à la fois prochaine. Peace!